Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver en ce jeudi dans une nouvelle vidéo avec une invitée spéciale. Donc je vous présente Flore. Bonjour. On est amies depuis toujours. Ouais, on se connaît depuis la maternelle et donc c'est la première fois qu'on a décidé de faire une vidéo ensemble pour se réunir autour d'un très bon repas. Je paie mon verre. Ouais, donc on va manger des insectes. Donc j'avais déjà vu ce genre de vidéo sur YouTube, j'ai adoré. Là c'est pas un partenariat, j'ai commandé sur le site Jiminy's. Donc Jiminy's Cricket. C'est ça. Ça m'a fait trop rire le nom du site. Donc voilà, j'ai jamais mangé d'insectes de ma vie, toi non plus. Non plus, c'est la première fois. Donc c'est la première fois. On a pris quand même des trucs soft, par exemple le goût curry fruité. Voilà, j'espère que ça va un peu cacher le goût. Voilà. Moi j'ai voulu tester les insectes parce que vous savez que je mange pas de viande depuis plus de 2 ans. Et j'ai lu plusieurs articles sur les insectes comme quoi c'était la viande du futur. Il y avait des super apports en protéines. Oui, je suis en fac de bio donc je peux. Enfin déjà on sait que ben, les insectes c'est bon et que ce serait une bonne alternative pour tout ce qui est manger de la viande. Et comme ça on aurait aucun problème, pas de carence, on sera en bonne santé, ouais. Et on mange pas de viande. Même j'ai vu que les insectes fallait moins d'eau pour les cultiver par rapport à la viande et que... C'est ça, en fait ouais, on pourrait dire que c'est un peu plus écologique où on peut faire beaucoup d'insectes avec peu d'espace, peu d'eau et peu de nourriture. Ouais. Donc là on va tester peut-être les prochains repas de toute la population. C'est ça. Et on a pris des verres d'eau au cas où. Voilà. Donc on va commencer avec le premier, vas-y. Croustillant et savoureux pour l'apéro. Et c'est mangue douce. C'est quoi comme insecte? Ah, les grillons. Ah, des grillons. Oh là là. On va voir, hein. Bon, ça va croustiller quoi. C'est pas très beau quand même. Hein. Bah, les chips, c'est quand même plus appétissant. Peut-être on dirait des larves. Hein. Vas-y, on en voit. Ça sent quoi? Bah, ça sent des croquettes pour animaux. Genre les granulés. Ah, ça sent nourriture pour poisson. Ouais. Oh là là, je fais quoi? Bah, ouais. Pas trop, c'est bon. T'as pas peur, tu vas comme ça? Non, douce. Bah oui. Quand j'ai recommencé. Ouais, ils ont enlevé les pattes, c'est ça? Et les ailes, j'ai l'impression qu'elles sont peut-être collées au-dessus. Ouais. Les pattes, il y a quand même, pattes, y a quand même la tête et tout. Hein. Ouais, il y a tout. Bon, allez. 3, 2, 1, go. Ah, ça croustille pas, c'est bon. Ça a le même goût que l'odeur, quoi. Ça a des graisses. On a l'impression. Moi, j'ai l'impression de manger des granulés pour lapin, en fait. Ou pour poule, ou enfin. Et ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un goût de granulé. Bon, c'est pas mauvais. Non. Bon, après, c'est pas. Ouais. Ben. Ouais, moi j'ai l'impression de manger de la nourriture pour la fin, en fait. Donc. Il y a pas de goût de mangue. Faudrait que je fasse goûter à Copy. C'est pas tout croustillant, c'est un petit peu moelleux au milieu. Ouais, mais ça va, on les mange, tu vois. Ça se mange pas. C'est pour survivre, ouais. Y a pas de soucis. Bon, on va goûter les suivants du coup. Curry fruité. Et c'est quoi comme insecte? C'est toujours aussi des grillons. Ah ouais? Non, c'est criquet là. C'est plus gros. Hein. Ouais. Ah, c'est plus gros? Ah ouais, ouais, là c'est les criquets, c'est plus gros. Hein. Oh, ah, mais non! Ah, c'est dégueu. Par contre, ça, non, ça va être compliqué. Hein. C'est énorme! Ah là, faut que je vous montre de près. Ouais, non, c'est pas très beau là. Hein. C'est vraiment énorme quoi. Bon, ben du coup, voilà. Tiens, à toi l'honneur. Ouais, non, mais ils sont vraiment gros quand même. Hein. Mais regarde, on voit les yeux et tout comme ça. Ouais, j'en ai disséqué. Fuck, c'est vrai. Ouais. Bah là, ça va être d'un coup, je crois. Je peux pas. Mais avec les ailes et tout. Ah ouais. Quoi que ça va pas rentrer dans la bouche. Tu mets tout d'un coup. Ils sont à quoi? Curry fruité, je crois. Ah bon. Ouais. Ça sent le curry. Non, peut-être pas tout d'un coup. Hein. Si, vas-y. Vas-y. Tout d'un coup? Ouais. Allez, 3, 2, 3. Non. Oh, j'ai les ailes qui se mangent mal. Non, c'est pas très bon. Oh, purée. En fait, c'est les ailes qui gênent. Le goût curry y est pour le coup. On n'a pas l'impression de manger des granulés de lapin. C'est bien un petit peu épicé. Ouais, ouais, le goût ça va, mais c'est la texture cette fois. Et puis on sait qu'on mange la tête ou les ailes là. T'as pris quoi? Le grillon. Oignon fumé et. Ah, le grillon c'est comme le premier qu'on a mangé. Ouais. Donc ça va, ouais. Non, pour avoir le goût. Tu vas voir, ils sont recouverts d'un truc bizarre. Oh. Ouais, là c'est un barbecue par contre. Ouais, oui. Ça va peut-être être meilleur ça. Il y en a des petits, un gros paquet là. Non, je prends pas le paquet moi. Bon ben, chino. Lui il est meilleur. Ouais.
Lui est vraiment oignon fumé et sauce barbecue. Ouais, là c'est goût, les biscuits apéro, barbecue. Et puis il est tout croustillant, il n'y a pas de texture moelleuse au milieu, donc au final ça ressemble plus à une chips. Ouais, lui il est pas mal, hein. Je reprends un. Bon bah. Allez, bah le dernier. Le dernier, je pense que vous vous en doutez. Hein. Okay. Bah. Là c'est les verres, je crois. Le Molitor, c'est ça. C'est des verres, comme un peu des verres de farine, je pense. Mais un petit. Oh, c'est moche. C'est des verres. Des bons petits verres. Non, ils sont à quoi? Tu bouges un peu, t'as l'impression qu'ils sont vivants. Ah, il est fines herbes. Il est fines herbes. Ouais. Bon. Tu vas pas trop servir. Hein. Oh, quelle horreur. Ouais. Non, là, c'est vraiment des vrais verres. Oh, on mange un verre. J'ai pas mangé encore. On sent rien. J'ai encore le goût du barbecue d'avant, en fait. C'est tellement fort. Non, mais j'en prends un parce que... Au final, la texture, elle, ça va. Ouais, je reprends aussi. C'est pas mauvais, ça a une texture à peu près correcte. Moi, je dirais que c'est le deuxième. Dans le versement. Barbecue, c'était le meilleur. Ouais, barbecue. Lui, bah, je trouve qu'il n'a pas trop de goût, ouais, deuxième. Au final, lui, c'est bien parce que ça, c'est un petit peu impressionnant. Donc ça va, c'est, ça impressionne tes amis, mais au final, le goût, ça va. Donc tout le monde en mangera. Ouais. Non, le pire, c'était le criquet, c'est trop gros. Les criquets, c'est vraiment... Ils ont dû les faire en petits morceaux. À saupoudrer sur les salades, je pense que ça va bien, mais entier avec la tête et les ailes. Ouais, quand t'invites des gens et que tu fais ça au repas, un biscuit apéro, tu mets que ça. C'est ça, bah, je pense que ça va couper un peu l'appétit pour certains. Parce que c'est vraiment pas. Bah, ouais, c'est pas appétissant. C'est pas appétissant, c'est ça. Je vais me ramener avec ça comme repas au travail le midi. C'est ça. Bon ben voilà, on a tout goûté, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà goûté des insectes, ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu en remangeras, toi, tu penses? Pour tester d'autres, parce qu'il y a plein d'espèces d'insectes. Ouais, j'ai vu même des scorpions, tu peux manger. Bon ça après, faut que ce soit bien grillé. Quoi. Ouais. Voilà, en tout cas si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'oubliez pas de liker si vous voulez revoir Flore dans mes vidéos. Et surtout je pense pour la période d'Halloween parce que Flore fait des très très beaux maquillages. Oui peut-être, hein, je ferai un jour une vidéo avec Claire pour vous montrer un peu ce que je fais. Ouais. Et voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt, gros bisous. Merci. I looked up from where I sat.